Hey, Yora Naizam, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous emmener à Bora Bora. Donc là, mes affaires sont prêtes juste là. Je vais juste mettre une petite chemise sympatitoche, des petites lunettes. C'est parti, let's go. Je vous emmène dans une aventure incroyable. Ça va être vraiment génial. Donc, je vous emmène avec moi et puis j'espère que vous allez aimer cette vidéo. C'est parti, let's go. Coucou. On a récupéré Hemiti. Attention, il se carrefourait très, très, ouais, très dangereux. Sauf que Hemiti, elle part pas avec nous. En fait, elle va venir nous déposer à l'aéroport et après, elle va retourner à son travail. Hop. Allez, c'est parti, voilà nos valises. Let's go. Ça, c'est la mienne. Attends, papa. Celle du jeu du Pacifique. Et maman. Allez. Attention au soleil. Ouais. À lundi, Hemiti. Ah oui, vous venez vous chercher. Hemiti, on la laisse, Hemiti. Bah nous, on va s'amuser. Donc, on va te laisser. Ouais. Nana. Allez, doucement. Attention. Elle est dangereuse. Oui. Allez, nana papa, nana maman, je vous laisse, désolé, je vais aller pilote, bah oui. Alors les amis, petite update de la journée d'aujourd'hui, je ne suis pas encore parti. Il y a eu un gros cafouillage de je sais pas quoi. En fait, il y a des avions qui partent plus, il y a trois avions qui partent plus sur je sais pas où en fait. Là, mes parents sont partis, il me manquait une place. Donc du coup, dans l'avion où ils sont partis, il n'y a plus de place. Dans l'autre avion, il n'y a plus de place. Et donc du coup, je prends l'avion à 17h. Donc depuis 10h, 9h30, on était là et je prends l'avion à 17h. Donc ça va être super long en plus. Mes parents m'ont appelé et m'ont dit que dans l'avion où ils sont, il y avait une place. Donc du coup, je comprends pas trop leur truc. Et en plus, c'était pas vraiment très agréable avec mes parents. Donc, bizarre. Ça va? Ça va, oui. Tu as une copine? Il y aura un Teddy. Oui. Alors les amis, petite update, je viens d'arriver sur Bora, j'ai pas trop filmé tout, genre flemme et tout, parce que avec tout ce qui s'est passé ce matin, voilà, je voulais pas filmer. Donc j'ai eu un avion qui était à 17h, du coup il a eu encore, il a été retardé de 30 minutes, j'ai pris à 17h30, bonjour. Et donc là je suis bien arrivé, c'est le plus important. On m'a couronné, c'est vraiment génial. Et donc on a pris une petite navette pour ceux qui savent pas, qui est juste là. De toute façon, je vous filmerai, je pense, au retour la navette. Et en tout cas, bah, là, on attend mon collègue et à papa qui est juste derrière. Enfin que les vacances peuvent commencer. Merci. 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 C'est gentil. Oui, moi aussi, j'ai aussi mes parents. Allez, avec plaisir. Okay, yeah, Merci. Je vois qu'il y en a aussi qui veulent des photos. Yarana. Dans la maison, elle dort. On est venu parce que je t'ai dit, elle vient d'arriver. Coucou les amis, on commence la journée sur les chapeaux de roue, un peu en retard, n'est-ce pas, le temps de se préparer, les deux touristes là, les troisième touristes et tout. C'est parti, randonnée. Non, on va aller là. Oui, oui, la grande montagne là. Wow. Là où il y a la petite broussaille verte là. Waouh. On appelle ça l'épaule là. L'épaule. Oui. À l'école. C'est haut, hein? Ah, ça va? Quelques 500, 600 mètres peut-être? 500. Voilà la montagne. Waouh, c'est bien. On voulait aller là, mais finalement, voilà. Bon. Bon, ça y est les amis, on a commencé la marche. Et donc là, je vais prendre mon temps parce que j'ai envie d'arriver en vie jusqu'en haut quand même. Faut que j'atteigne cette montagne là. Tenue de sport, pantalon et tout, chaussures.
C'est parti. Maman. Ah. On lève un peu comme ça, on sait que tout le monde est descendu. Oui. Il y a un petit peu de temps, 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 il y a un petit peu de temps. Allez, moi je prends une feuille, oui ma feuille, cette feuille là. Voilà. C'est parti. Donc en fait, chacun des randonneurs a pris une feuille et l'a placée sous un caillou. C'est pour en fait prévenir et dire il y a combien de personnes qui sont montées dans la montagne. Et une fois qu'on descend, on récupère notre feuille. Et normalement, à la fin de la journée, il n'y a plus de feuille parce que tout le monde a récupéré sa feuille sous le caillou. Donc voilà, c'est un moyen de se repérer en fait. Il y a le guide devant. Oh my god, les amis, là ça commence à monter grave. Les amis, on passe aux choses sérieuses là. Oh, oh. Ah ouais. Oh my god, les amis. Ça fait une heure que l'on marche là. J'en vois pas le bout. Et genre, je suis quand même en dernier là. Est-ce qu'on va réussir à aller à notre objectif? Oh my god! Oh my god! Oh non, maman! On va commencer à grimper là! Ça va aller, maman? Ça va aller, Teddy? Non! Voilà, il y a des moments où on va grimper, après ça va être du faux plat! Ah! Non, c'est bien comme ça! On va tout doucement! Bon, les amis, pour ceux qui savent, j'ai le vertige. Et là, ça commence le vertige. Du coup, je suis en train de marcher. Ouh, en plus, le vent, il est fort. Je m'envole. Voilà, le chemin est tout petit. Et là, c'est le vide, quoi. Ouais. C'est ça. Ah, ok. Une tête de tortue. Ça y est, un peu presque. Un peu de siphonnage. C'est glacé, hein? Ouais. Ça réveille un peu. Ça réveille. Ça va te réveiller, maman. Allez, on s'hydrate un peu, papa. Attends, tiens, papa, je ferme. Ok. Je range. On a bien ça des fois dans les hôtels. Ah ouais? C'est que dans les montagnes, papa. C'est beau. On est coincé, maman. Oh là là. Wow. Regarde, papa, il est à fond. Allez, papa, tu peux le faire. Let's go, papa. Yeah, maman, elle est costaud. Maman. Allez. Avec crevassin pour mettre le pied. Waouh, quelle escaladeuse. Voilà. Maintenant les amis. Waouh, regarde ça. C'est solide. Elle est trop forte, maman. Oh non. Elle est arrivée. Oh non. Elle est arrivée. Il reste moi. Allez. Comment je vais faire? À toi maintenant. Allez. Allez, c'est parti, let's go. Voilà, bon. On arrive à la moitié là. Ne vous inquiétez pas les amis, j'assure. Attends, elle est où la corde? Voilà, je tiens. En cas où, je vais tirer la corde. Il est parti, là il a disparu. Mais la corde elle est là.
Oh my god, les amis, c'est juste... C'est incroyable. La peur de ma vie. Allez papa, accroche-toi. Allez maman. On est des vrais Spider-Man. Excellent. Ici les acteurs. Spider-Man. On est arrivé maman. Arrivé. Ça y est les amis, on vient tout juste d'arriver à l'épaule de l'hôtel. Je peux vous dire que c'est un truc de fou, le vent est hyper fort. Je crois qu'il y a le maramou là de Jier qui vient souffler. Non, c'est juste incroyable. On voit les hôtels. Je sais pas si vous voyez là-bas les hôtels de Four Seasons. C'est trop beau. Et là, il y a papa et maman avec le guide. On a deux guides que pour nous. Excellent. Magnifique. C'est vidéo. Hey, y'a la pluie qui arrive. Ça va, ça va. Passage. Ça fait peur. Non mais, yes. Cyclone de Roy, on est en haut de la montagne. On est béni. Voilà. On a trajet. On va descendre plus haut. Voilà. Alors, maintenant les amis, on va retirer sa feuille. Hop. Allez, on est bien arrivé. Ah, il reste deux feuilles. Non. Papa. Et papa. Et maman. Allez, vos feuilles. Il reste ta feuille, maman. Ça y est, on est bien arrivés. Plus personne n'est sur la montagne parce qu'il y a des feuilles. C'est nous les derniers. Ça y est, on est arrivés enfin. Après 4 heures de marche. Ouais. Maman, 4 heures de marche. Waouh. On est des super-héros. Et on fait. Yes. Voilà notre taxi. Pile poil. Tanoro. On est arrivé là. On est arrivé et on arrive là. Maman, toujours en vie. Yeah. Après 4 heures d'effort. 4 heures. Yeah. Elle respire encore. Elle est pour là. Alors les amis, je viens tout juste d'arriver. Je suis en train de faire mon débriefing à Calais. Tu t'appelles Calais? Calais-Iva. Calais-Iva. Ah. Ouais, bah j'ai carrément eu peur. C'était carrément hot. Mais tu sais, le plus dur, le challenge pour moi, c'est de garder ma chevelure intacte. Regarde. Oh. Là, moi j'ai gardé tout rouge. Et à moi c'est joli mes cheveux. Ouais. Je voulais faire comme à toi mais c'est juste les côtés. Bah moi genre j'ai marché 4 heures et regarde mes cheveux. Toujours joli hein. J'ai fait attention, je fais hey hey hey, attention la branche, hey 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 hey. Lara, j'ai soif. Coca. Allez. Yo les amis, ça là il est actuellement 16h, là Luciano est venu nous récupérer à la maison, on est prêt, on est tout beau pour aller dîner. Ce soir c'est le chef Luciano qui a préparé un tamas chez lui et je vous emmène avec nous. C'est parti, là il y a la voiture et tout, let's go. Ça y est les amis, on vient d'arriver chez Luciano. Regardez ce petit bibi, comment il est trop mignon. Trop chaud. Donc là, il y a Kamalani qui fait de la grillade juste là au fond. Il y a la table qui est prête. On s'est arrêté prendre des frifris, trop bon. Trop bon les frifris. Ah, c'est trop bon les frifris. Hey Yorana les amis, nouvelle journée, nouvelle vie. En fait hier soir j'ai pas trop filmé parce qu'en fait on était en train de manger. C'était un super tamara et tout, il y avait plusieurs invités de marque. Et donc du coup voilà, je voulais garder un peu cette intimité où on a bien mangé. C'est un délicieux mets et on a bien bu aussi du vin. Donc là on est en train de se préparer pour aller à la plage. Hier on était sur la montagne, donc cette fois-ci on va à la mer. L'objectif c'est de tenir encore mes cheveux jusqu'à ce soir, parce que ce soir on est invité au Heiva. Donc je vais vous emmener avec moi, ça va être vraiment quelque chose de magnifique, le Heiva à Bora Bora. Ça va être sympa et donc du coup je suis obligé de garder ma coiffure. Et ça va être chaud parce qu'on doit aller plonger dans l'eau pour aller voir les espèces marines. Mais je sais pas si je vais pouvoir, en tout cas voilà.
challenge, je vais essayer de garder avec le vent et tout. Je sais pas si je vais réussir, mais en tout cas, d'ailleurs j'ai posté une photo sur Facebook et tout, où j'ai reçu beaucoup de retours de votre part qui a dit que mes cheveux ont tenu pendant la randonnée. Ben là j'espère que ça va tenir pendant la mer, jusqu'à ce soir. Donc voilà, allez c'est parti. Quand j'ai arrivé le premier, 4 secondes, 7, je suis en train. Voilà les amis, c'était une grosse surprise parce que comme vous avez pu voir, ma mère ne s'y attendait pas du tout. C'est vraiment un mariage à la thaïsienne, mais vraiment par surprise. Ma mère croyait que c'était pour les touristes ou pour une pirogue qui arrivait et tout. Donc c'était magnifique. De toute façon, on va revenir sur ce point un peu plus tard. Là, on va prendre une magnifique pirogue, un gros bateau. C'est juste magnifique. Et on va aller plonger. Là-bas. Où ça? Ah, il est là le requin. Voilà. Dans la mer? Wow. Ça va, ils ont pied là. Ah, t'as été dans l'eau déjà. Ah, il y a des raies. Attention à les requins là. C'est quoi? Il y a des requins et des nanas. Hey, Dedo! Achou! Metteiro! Yeah, ils sont en train de t'entourer les requins. Ah, moi j'ai rien à manger. Hein. Ça va? Ça va? Non, ça va, c'est bien aussi là. Balèze. Ah oui, tout est balèze en boulot. C'est diapoy. Ah, oh, ça va? Adieu. Mais j'ai été touché. J'ai touché dans mon arrière. T'as touché tes titaines. Metteiro. Hey, t'aimes bien? Hey, Maruru. Allez, viens, ok, oui. Arrive. Alors les amis, on vient tout juste d'arriver au Moutou. C'est juste magnifique. Santé. C'est joli. Faut pas y aller.
c'est trop beau. On va faire l'ouverture du four. Entre le porcelet, ourou, le beau et banane, parfait. Il est mignon le cochon. Donc il y a des poissons crus, tarot, manioc sur le côté, quelques fruits, grillades de thon, langouste. On mangeait avec les doigts aujourd'hui. Il n'y a pas de bouquette, hein? Non, mais c'est la totale. Ah oui, on dépasse le vide. Là, on est des rois. On va le laisser préparer le buffet. On est des rois. Nous, on va continuer par là. Yes. Ah, c'est vraiment magnifique. Ça y est les amis, on va partir. Il y a Skan qui prépare ses affaires. On va reprendre le bateau. On va à Matira. Yes. Ah, on va à Matira. Let's go. Papa, on va prendre le bateau. On continue le bain là-bas. Je fais ma sieste. On continue l'aventure. Ça y est, on est arrivé sur terre. Avec Sky. Goodbye. Okay. Salut, Maruru, hein? Yo les amis, je vous reprends maintenant, je suis avec mon papa là parce qu'en fait on va faire une surprise à maman. En fait c'est une autre surprise. C'est quoi la surprise papa? On ramène la Miss Dragon à Bora Bora. Oh, la Miss Dragon arrive à Bora Bora. Normalement elle est sur ce bateau là. C'est top le bateau aussi hein. C'est sympa. Bon allez c'est parti, je vous envoie. Maman elle sait pas que Hemti arrive. Hemti, coucou, ça va? Bienvenue à Bora. Alors les amis, on est actuellement en Eva de Bora Bora avec toute la famille là. Et c'est juste incroyable parce qu'en fait c'est à l'air libre là. Pas de toit, on est juste sous les nuages et sous les étoiles. Ah ouais, ils vont danser dans le sable blanc, c'est ça. Et donc c'est juste magnifique. Let's go. Ah, comment tu t'appelles? Cédric. Cédric. Je me présente Cédric Barimare qui va nous a fait découvrir le backstage de cette magnifique scène Heiwa et Bora Bora 2023. Thank you.
mau ori e te reira nā tātou e mate te mei iau rāna. Regardez les amis, on est sur la scène de Bora Bora. C'est trop magnifique, regarde, on marche. C'est Bora. Tiens, regardez-moi ça là. Trop méga. C'était vraiment incroyable. En plus, on était super bien placé, on était vraiment tout devant. Et la queue était incroyable. En plus, on a dit nos prénoms dans le micro et tout. On dit ah bienvenue et tout à la famille Teng, la Miss Drago et tout. Donc c'était une belle surprise, plein de surprises. Magnifique. Hey, coucou les amis, nouvelle journée à Bora Bora. Hier soir c'était juste incroyable, les spectacles étaient magnifiques, l'accueil de ouf, j'ai gardé la couronne et tout, mais c'était une expérience de ouf. Là on est en train de prendre le petit déjeuner. Aujourd'hui on a fait une petite grasse matinée, on s'est levé à 9h du matin. On a un programme hyper chargé, c'est vraiment sympa. J'adore avoir un programme chargé et tout. On a rencontré énormément de personnes hier soir aussi, ça m'a fait super plaisir. Normalement ce soir je vais aller visiter les baraques en fait qu'il y a à côté du Heiva. Et là aussi énormément de monde. Et puis et là je vais aller boire mon café parce que je commence à avoir très faim. Allez, bon appétit. Yorana les amis, j'espère que vous allez bien. Lendemain de la soirée, on était au Heiva, on a été encore invité. C'était un groupe juste magnifique. Surtout le son, enfin la musique, les chants, c'était incroyable. Les danseurs, n'en parlons pas, ils ont tout donné. Que ce soit les danseuses, les danseurs, c'était à fond. Le Orero, magnifique, c'était Yas qui était au Orero. Incroyable. En plus, ce qui est cool, c'est que, enfin, ce qui était étrange, c'est que quand elle a commencé l'ouverture avec le Orero, il a commencé à pleuvoir fort. Et après, ça s'est arrêté. Donc, c'était une belle ouverture. Franchement, avoir commandé la pluie pour l'ouverture de leur danse, c'était incroyable. Là, on va attendre Luciano parce qu'on va aller boire le petit déj. Je me suis piqué là. Oh. Et là, pas de moustiques. On va attendre Luciano pour le petit déjeuner. Un festin royal, je pense. C'est notre dernier jour ici. Ah oui, les amis, je vous ai pas raconté, mais hier soir, j'ai été visiter les baraques qu'il y a autour. En fait, il y a des restaurants, il y a des jeux, il y a des barbes à papa, la pêche au canard, énormément de monde. C'est un truc de fou. Et vous avez été beaucoup à venir vous prendre en photo avec moi, venir discuter avec vous.
C'était vraiment c'est un truc de fou parce qu'il y a les enfants jusqu'aux grands-parents, aux parents, aux papas, aux mamans. C'était... Merci pour votre accueil, juste incroyable. Ça m'a vraiment touché. C'est toujours un plaisir de vous rencontrer. Vous avez été super nombreux. À chaque fois que j'avançais, vous étiez là, venir me voir. Les enfants étaient en train de me suivre. Donc, merci énormément pour votre accueil chaleureux et pour votre gentillesse surtout. Donc là, je vais aller me changer. Je vais mettre un petit pantalon, chemise. Et puis voilà, je vous reprends tout à l'heure sûrement. Allez, ouh. Coucou. Moi aussi, présidente. Yeah. Y'a pas que à Teddy. Y'a pas que. Président zéro. Et moi, je suis le président numéro 1. Ha. Je suis le ministre des affaires concluantes. Ça veut rien dire. Ah, vas-y. Il a son carte. Ah. Voilà le président. Ah, monsieur le président, voilà le président, s'il vous plaît. Président poubelle. Yeah, il est là avec son carton. Yeah. Alléluia. Waouh, bel accueil, regardez-nous ça. Arrivé papa. Emmanoukouka. Waouh. Merci pour la femme, mais à manger, c'est joli. Oui, tu manges déjà toi. Waouh. Ah, ces frites sont excellents. Des secrets. Yeah, joli. Ah, bro, la prochaine fois, il n'y a que Teddy et Hemidi. Et Maruru, merci beaucoup. De rien. Hein. Merci pour l'accueil. Le maa. Les genoux. Ça y est, c'est le départ de Rémi. À la campagne. Maman. Elle a 4 personnes pour l'accompagner, hein, Miti? T'as 4 personnes pour t'accompagner à Hermoana, juste là. Il est carrément beau le bateau de Hermoana. Luciano.